Bonjour, bienvenue dans Ola Tua, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce numéro d'octobre, le mascaré, la vague qui se lève sur la Dordogne, un phénomène qui intéresse les scientifiques pour mieux connaître les tsunamis. Le manuel du surf sorti cet été, petit guide illustré des débutants aux experts et très pratique. Et enfin, à la fin de cette Ola Tua, le kitefall et ses figures, c'est la rubrique à 360. Mais pour commencer ce magazine, comme chaque mois, toutes les images de la planète surf. Il y a peut-être un peu moins de vitesse, de radicalité, mais la technique est toujours là. Les championnats de France Master à Biarritz fin septembre, après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la pandémie, c'est le grand retour sur les vagues basques des anciennes gloires du surf tricolore. 7 titres de champion de France sont décernés ce week-end-là, dont celui d'Amandine Sanchez chez les filles, 12 ans après son titre Open. Octobre, le retour des très grosses vagues. Petit avant-goût avec quelques sessions mémorables à Nazaré, Mavericks et Joe's. Le surf ultime, le défi XXL, le combat face à la nature. La Girondine Justine Dupont et les autres conquérants de l'impossible en piaffent déjà d'impatience. L'automne, la meilleure saison dans l'Atlantique Nord pour surfer, mais pas simplement à l'océan, y compris sur la Dordogne. Le mascaré se lève le plus souvent après la période estivale. Ils sont chaque fois des centaines d'adeptes. Regardez. Le temps s'écoule lentement dans la Mecque européenne du mascaré. À quelques heures de l'arrivée de la vague du soir, Ben et Alex, deux frères de Bretagne, patientent. Les chauffeurs. C'est une fête et puis c'est sympa. Ce qui est bien, c'est justement d'être avec tout le monde là, dans ce milieu de surf qui est un peu perso. Et là, c'est une vague à partager, donc c'est bonne ambiance. Quoi. C'est une expérience à part de surfer là-dessus. Ah oui, complètement. L'esprit, la boue, le décor, l'inversion des flux. Non, on n'a pas ça vraiment à l'océan, nous on vient de l'océan, donc on ne connaît pas ce petit délire, mais c'est vraiment sympa. J'ai oublié hier, ça n'a pas bien marché, donc là, aujourd'hui dans le monde, ça va marcher. On est calé là. Là, on va aller plus loin. Ils viennent de toute la France et même parfois de bien plus loin pour cette expérience unique. Surfer cette vague très spécifique sur 3 km. Alors le mascaré, tout simplement, c'est une vague qui arrive de l'océan et qui vient à la rencontre de la masse d'eau qui descend de l'amont. Et donc cette rencontre crée un train de vagues dont la première est surfable, mais les autres aussi. Allez, c'est le départ. C'est parti. Au port de Saint-Pardon, c'est l'heure de pointe. Ils sont plusieurs dizaines ce soir-là à défier la Dordogne. Première difficulté, accéder à l'eau. Bah ça glisse, je pense. Qu'est-ce qui est différent en fait de surfer de l'océan ou là ? C'est vraiment complètement différent. Le temps passé sur la vague en fait, jusqu'à 10-15 minutes, alors qu'en océan ça dure peut-être 20 secondes selon la taille des vagues, mais le temps cumulé dessus. Et puis c'est assez loufoque quoi comme phénomène. C'est le 42e aujourd'hui. Quand je suis debout, c'est en or. Quand je suis couché, c'est en argent. Okay. Quand je me casse la figure, c'est casse la figure. Un coefficient de 102. Pas de vent, les conditions semblent optimales. La taille du mascaré varie aussi en fonction de la profondeur du fleuve. Alors, d'un côté ou de l'autre, chacun cherche le bon emplacement pour ne pas rater le train de vagues. Puis le temps suspend son vol. C'était très bien, moi je vais un peu tous les ans. J'adore ça. Tu veux le faire toi aussi? Ouais, quand je serai nager. Mais là, c'est un petit coefficient, donc c'est vrai que c'était moins important que d'habitude, mais autrement, toujours autant de plaisir, quoi. C'est super bien, mais moi, j'étais super mal. Mais c'était bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas réussi à sortir. Ah, mascaré d'argent, resté couché, pas debout, 500 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mes voisins m'empêchaient de ramer à fond parce qu'ils étaient très collés. Et du coup, à un moment donné, plus assez de puissance et hop, je suis sorti de la vague. Mais en octobre. Le mascaré se lève sur une soixantaine de sites dans le monde. Sur la Dordogne est la meilleure saison pour le surfer, c'est jusqu'à l'automne. Le mascaré, un phénomène étudié par les scientifiques. Direction maintenant le campus universitaire de Bordeaux. Philippe Bonneton, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur ce mascaré. Pourquoi vous l'étudiez en fait ce phénomène ? C'est un phénomène hydrodynamique fascinant pour un physicien. Ensuite, il y a un intérêt pour mieux comprendre l'évolution des écosystèmes estuariens. En fait, les mascarés sont présents assez souvent et vont avoir un impact dans le transport des sédiments. Et c'est important de comprendre pour mieux prévoir comment vont évoluer les écoulements dans les milieux estuariens. Alors c'est une onde qui se lève dans l'océan en fait et qui remonte le fleuve, c'est ça ? Alors donc le mascaré est généré par la marée. Simplement ce qui se passe dans l'estuaire, c'est que le fond va devenir assez peu profond, une dizaine de 20 mètres, 10 mètres, ce qui est très peu. Et là, à ce moment-là, la marée va changer complètement de comportement par rapport à ce qu'il y a dans l'océan profond. Dans l'océan profond, on a une sorte de sinusoïde. Ça ne va plus du tout être le cas. L'onde de marée, qui est très grande, en se propageant dans l'estuaire, par exemple sur 200 km, va se distordre, se transformer très fortement. Et ça va induire à un moment, dans l'estuaire, la formation d'un petit ressaut, d'une marche, qu'on appelle un ressaut de marée ou un mascaré. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire possible avec tsunami, par exemple, dans la manière dont déferle la vague ? Est-ce que c'est un peu pareil, en fait, une fois que la vague déferle ? Alors, tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment une forte analogie entre ces deux phénomènes. Ce sont des phénomènes qui sont liés à des ondes longues, la marée. Pour le tsunami, ça va être une onde longue qui est générée par un tremblement de terre ou un glissement de terrain. Et lorsque ces ondes rentrent dans des estuaires, ils peuvent former des ressauts, des mascarets ou des ressauts liés au tsunami, qui ont une dynamique qui est vraiment très très proche. Les tsunamis, on ne peut pas prévoir leur déclenchement. On ne sait pas prévoir quand un tremblement de terre va se produire. Par contre, les mascarets, ça, il n'y a aucun problème. On sait où le mascaré va se produire, à quel moment. Et donc, ça nous aide à développer des campagnes de mesure. On va instrumenter une partie de la rivière avec plein de courantomètres, de capteurs de pression, pour vraiment bien comprendre les processus de ce ressaut de façon très fine. Ça nous permet de valider des modèles numériques, des modèles mathématiques décrivant ces phénomènes. Et donc, on aura confiance sur nos prévisions pour faire des études d'impact sur les tsunamis en utilisant des modèles qui ont été validés sur des mascarets. En général, vous travaillez sur les vagues. Est-ce qu'on sait tout aujourd'hui sur les vagues ? Comment elles se forment ? Comment elles arrivent ? Quelle influence de la météo ? Ou il y a encore des domaines qui ne sont pas encore explorés ? Ah, il y a tout à fait. Hein. C'est un problème extrêmement compliqué sur lequel se cassent les dents les physiciens depuis longtemps. Et lorsqu'elles arrivent en milieu peu profond, dans des fonds proches du littoral, dans des fonds de 20 mètres, il y a le même phénomène que pour le mascaret, mais pas tout à fait à la même échelle, à beaucoup plus petite échelle, que tous les surfeurs connaissent, le phénomène de levée des vagues. Les vagues deviennent très asymétriques. Et là, la physique commence à devenir extrêmement compliquée. Et en particulier, dans la zone de déferlement, dans la zone de surf, et la zone de swash, qui est la zone où les vagues vont couvrir et découvrir le haut de plage. Donc il reste énormément de questions, et ça c'est important parce que les vagues, surtout en milieu littoral, contrôlent de nombreux courants. En particulier, ce qu'on connaît bien en Aquitaine sont les courants de baïnes. Et si on veut prévoir les risques de génération de courants de baïnes, si on veut comprendre les courants de dérive le long de la plage, il faut avoir une très bonne connaissance des vagues et de leur modélisation. Un champ d'études infini. Merci beaucoup Philippe Bonneton d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation pour vos recherches à vous et à votre équipe. Merci. Merci.
Débutant ou perfectionné, le surf est pour tous un éternel recommencement. Alors pour vous y aider, il existe désormais un petit guide illustré de la théorie à la pratique avec le manuel du surf dans les vagues landaises. Oh là les boys, hey. Des surfeurs pressés d'aller à l'eau. Les prévisions, c'est vrai, ont de quoi motiver. La houle sera-t-elle au rendez-vous? En haut de la dune, les lignes promettent une belle session. Mais encore faut-il marcher un peu et choisir le bon banc de sable. Le bon endroit, c'est primordial en fait. Ouais, commencer le surf et se mettre un petit peu juste là où on voit les autres surfeurs, c'est pas forcément adéquat. Il y a quand même une pente douce, on n'a pas énormément de creux. On va essayer de bosser un maximum en fait la vitesse constante que vous pouvez acquérir sur la vague. Quoi. Essayez de gérer à fond vos appuis avec le souffle. Souvent comme ça en vague, tu vois tes jambes partir, le corps qui reste derrière. Alors que là non, il va falloir que tu montes avec ton haut du corps. J'accompagne avec les bras. Ouais. La marée est un peu haute déjà. Les vagues, essentiellement au bord de la plage, ferment rapidement. La session est frustrante. Et pourtant, c'est de celle-là qu'on apprend le plus. Bah, j'essaie de caler ce que tu me disais, j'étais pas trop à l'aise que quand même tes corps fassent rapide un peu. Ouais, en fait t'as ton haut du corps qui va se positionner sur le pied arrière et t'es en mode freinage d'entrée de jeu quoi. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est belle, oh elle est belle. Oh oui. Oh oui. Cette dernière vague, excellente quoi. Tu l'as vraiment bien réappuyé là sur l'avant, t'as gardé ta vitesse pendant toute la courbe. Chouette quoi. Des sessions, qui sont peut-être pas des sessions pour prendre de l'adrénaline ou des émotions. Par contre, c'est des sessions à travail. Et là, c'est intéressant et ça paye justement quand la vague arrive, un peu plus belle, un peu plus régulière. Les vagues plus régulières, les voilà. La deuxième session de la journée offre des conditions magnifiques. De quoi mettre en application les conseils de Johan. Essaye d'accumuler les deux choses entre ce que nous on pense et ce que lui donne comme conseil. On mélange les deux, bon ça arrive pas de suite, mais forcément à un moment donné on évolue. Et après on restagne, c'est là que c'est toujours bien d'avoir un autre conseil et continuer à progresser comme ça. Quoi. On se voit pas nous, donc on a des avis un petit peu extérieurs. Et certaines sensations, certains mouvements, on peut te corriger. Et du coup bah après toi t'y penses et tu réintègres ça après sur ton surf, surtout que moi je débute. Hein. Moniteur depuis 20 ans ici dans les Landes, Johan a couché son expérience sur le papier. Les principes généraux du surf y sont bien sûr, mais aussi des questions-réponses pour comprendre toutes les situations rencontrées. En voyant essentiellement les débutants, entre guillemets galérer, quoi, sortis de l'eau, beaucoup de gens frustrés qui ne comprenaient pas leur session, j'ai essayé d'enseigner de manière académique, avec des vagues moyennes, avec quelqu'un qui a une corpulence moyenne. Et puis à la fin de mon tableau, à mettre tout ce qu'on pouvait retrouver un petit peu d'extrême avec si c'est plus gros, si c'est moins gros, et si on est plus lent, et si on est moins sportif. Pensez le surf pour progresser, car sa pratique n'est pas innée chez l'homme. Il faut apprendre de chaque jour passé dans cet élément qui n'est pas le sien. Et s'il y a bien un surfeur qui n'a pas vraiment besoin de conseils pour progresser, c'est vous, Harry Tefahafana, bonjour. Bonjour. Surfeur tahitien à Bordeaux aujourd'hui pour vos études. On va revenir sur votre carrière dans quelques instants, mais vous avez choisi des études de journalisme. Hein. Vous allez commencer les cours début octobre. Pourquoi cette filière en fait? C'était plus quand il y a eu le concours organisé par Polynésie la Première que je me suis lancé. Et je me suis dit, c'est une opportunité, et il fallait la saisir. Et quand j'ai vu ce concours, je me suis inscrit directement et je savais que c'était un bon métier avant de me lancer. Donc je suis très fier d'être là aujourd'hui. Alors vous connaissez un peu dans la région ici, notamment à cause des mondiaux de Biarritz il y a 4 ans, les mondiaux ISA. Vous aviez été en quart de finale dans le top 10. C'est votre meilleur souvenir à très haut niveau en termes de résultats? Certainement un de mes meilleurs souvenirs, ça c'est sûr. Parce que j'étais venu pour les championnats du monde avec un objectif, c'était d'être dans les 10 meilleurs mondiaux. C'est un objectif atteint surtout et ça m'a beaucoup fait plaisir. En plus la vie ici elle était bien, l'ambiance et tout avec les Tahitiens. Donc oui, je m'en souviendrai
toute ma vie. Vous surfez une des plus belles vagues du monde, Tiopo, notamment. Vous la surfez depuis tout jeune, hein, vous avez 25 ans, bientôt 26. Elles sont assez incroyables, les images de vous sur cette vague. En fait, qu'est-ce qu'on ressent sur cette vague? De la peur, de l'excitation, de l'envie? C'est un défi. Qu'est-ce que c'est en fait de surfer Tiopo? C'est une très très belle vague, très difficile à surfer. Il faut la connaître, il faut la surfer en fait. Avec les autres copains de Tahiti, on la surfe depuis qu'on a 13-14 ans, dans des petites conditions. Et c'est sûr qu'après, tu progresses et tu as envie de surfer la plus grosse vague. Vous avez peur parfois avant, après la vague, mais jamais pendant. C'est un peu ça? Ouais, c'est ça. C'est souvent, ça m'arrive qu'on me demande qu'est-ce que j'ai ressenti sur la vague. Et je peux pas expliquer parce que j'ai rien ressenti en vrai. En vrai, parce que tu te lances, tu t'es déjà fait ton film en fait, avant de te lancer sur la vague. Tu sais exactement ce que tu vas faire et le moment venu, ben, tout arrive automatiquement. Il faut juste pas faire d'erreur et voilà, il n'y a pas vraiment de ressenti, de sentiment, il n'y a même plus de peur. La peur, elle est quand la bosse arrive et que celui qui est sur le jet ski te dit on y va. Et là, le dernier mot, c'est toi, c'est oui ou non. Une fois que tu dis oui, tu peux plus, parce que tu peux plus ne pas y aller. Parce qu'il y a d'autres surfeurs à côté. C'est soit tu vas ou soit tu vas pas. Et une fois que tu as lâché la corde, là, c'est un autre monde. Tu n'entends plus rien, alors que tu regardes les vidéos et tout le monde est en train de crier et tout. Mais moi, nous, on n'entend rien. C'est une fois sorti ensuite qu'on réalise. Et c'est aussi à ce moment-là que la peur arrive, parce que quand tu réussis une vague, souvent, on se dit, et si j'étais tombé? Et du coup, là, tu commences à réfléchir, tu te demandes même si tu étais conscient à ce moment-là d'y aller ou pas. Et du coup, ouais, ça remet beaucoup de... Tu te rends compte de beaucoup de choses. Et moi, là, aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas si je vois une vague comme ça arriver, est-ce que je serais capable d'y aller? Parce que je sais que si j'étais tombé... Il faut être un peu fou ou pas? Souvent, on dit qu'on est fou, mais non, on n'est pas fou. On est comme toi et moi, c'est pareil. Mais en plus, on est chez nous, à Tahiti, Tiopo, c'est une vague mythique. Et c'est sûr qu'on veut faire nos preuves. Mais voilà, tout d'abord, c'est vraiment la passion et l'amour qu'on a pour ce sport et pour cette vague en particulier. Bien, Harry, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre amour, votre passion pour le surf en général. Et bonne chance pour la suite de vos études. Et à bientôt, forcément, sur les vagues de la région. Merci. Merci beaucoup. Il est l'une des grandes figures de la côte basque, journaliste, écrivain, réalisateur, Alain Gardinier. Une vie de surf, c'est notre séquence archive. Surgi du Nice état des années 50, voici Alain Gardinier. Enfant de la télé, souvenez-vous, cet homme a traversé les plateaux de nulle part ailleurs à Culture Rock et a réveillé vos consciences musicales. Mais aujourd'hui, Alain Gardinier, le petit gars de la rue de la Salie à Bayonne, est revenu au pays et désormais, il est de l'autre côté de la caméra. Pour Zuma Productions, qu'il a créé en 99, Alain Gardinier suit les plus belles compétitions de surf de la planète. Et quand on vit dans les coulisses de la glisse, forcément, on devient un peu le bon copain de ceux dont les autres disent qu'ils sont des mythes, Tom Curran, Kelly Slater ou Rob Machado. J'ai cette chance incroyable de pouvoir côtoyer les meilleurs surfeurs du monde. Et c'est un plus parce que ils vivent des expériences incroyables. Ils ont une chance de voyager. Bon, moi j'ai beaucoup de chance de voyager aussi, mais on peut partager ça. Le chaudron de la musique, Alain est tombé dedans quand il était petit. Ça a commencé par Aretha Franklin et Leonard Cohen. Plus grand, c'est par ses chroniques de rock qu'il a fait bouillir la marmite. Le Nouvel Obs, VSD, Libé et surtout Rock et Folk puis la télé. Gardinier on the Rock, c'est toute une histoire. Ouais, donc vous voulez voir un bout de ça? J'essaie de faire des progrès, j'écoute Jean-Luc Sanson. Véro, tu as passé combien de temps aux États-Unis? 11 ans. 11 ans, donc c'est pour ça. Voilà, que alors là, Django Edwards, c'est Jean-Luc Sanson, deux personnes que j'adore. Non, mais ça a été le plus grand plaisir, ça a été nulle part ailleurs, de ces petits intermèdes télévisés que j'ai fait, parce que je me retrouvais tous les soirs en direct, l'émission marchait super bien, c'était les premières années, il y avait une ambiance incroyable avec les nuls, c'était en direct, et je passais mon amour de la musique. De ces années parisiennes, Alain conserve de vieilles amitiés, un complice célèbre, Jules-Édouard Moustique. Il était sur la plage, j'ai vu mon gardinier là-bas, j'ai fait « Oh !» Et il était en train de tourner, donc c'est là qu'on s'est revus. Quoi. Voilà. Vous étiez côtoyé à RNPR, en fait, c'est ça? On côtoyait, ouais, on s'est croisés, c'est comme la vie là-bas. Quoi. Respirer l'air pur, vivre et travailler autrement, retrouver ses racines, c'est désormais le choix d'Alain et de sa famille. Oh.
Quand j'arrive ici, à cette plage de Bidart-Centre, et que je regarde et que je vois Guétari derrière, l'Espagne, que je suis dans l'eau là, et que je vois de l'autre côté Biarritz qui se découpe, les falaises et tout, mais j'adore cet endroit, j'adore cette plage de Bidart. Avant, j'avais une maison pas trop loin, je venais pas souvent. Maintenant que je viens, j'ai découvert quelque chose. Elle est roots, comme on dit, elle est nature. Aujourd'hui, quand il le peut, Alain se met à l'eau avec sa fille Tina. Comme la musique, la passion de la glisse ne l'a jamais quitté. Et là encore, les légendes du surf ne sont pas loin. Car dès les années 80, il croisait du beau monde sur les plages. L'été, je me souviens beaucoup, je restais ici pendant un mois et demi et il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis, il y avait une super vague, quoi. Le truc cool à l'époque, c'était d'avoir une leçon de surf par Tom Curran. Donc, et lui, il est tellement gentil. Il refusait jamais, alors que ce soit Jean, Lavillier, enfin on peut en citer des dizaines. Les gens qui venaient ici, il fallait qu'ils leur... Ils étaient tout contents, c'est comme s'ils avaient surfé la plus grosse vague du monde. Loin du cirque médiatique, Alain Gardinier fait toujours ce qui lui plaît. Après le rock, sa vie, son œuvre, c'est sur le surf qu'il zoome aujourd'hui, réussissant une fois encore à faire de ses rêves de gosse un métier. Un kitesurf, une aile, un mât, une discipline, le kitefall, qui permet au meilleur de s'envoler littéralement au-dessus des vagues. C'est notre rubrique à 360. Donc, j'ai commencé à surfer il y a 40 ans et depuis j'essaie de jouer avec tous les accessoires qui existent, donc le kite, le paddle, le foil. Et donc avant j'étais surfeur mais maintenant je suis kiteboarder. Voilà. Et là, les conditions sont idéales pour le kitefoil. Ça demande un peu d'expérience, un peu de pratique. C'est un peu impressionnant dans les vagues, mais ça offre des sensations inégalées. Là, c'est parti pour une petite session de kitefoil à l'océan, à Carpan. Là, je suis en train de passer la barre. J'ai un mât de foil qui fait plus d'un mètre. Évidemment, il ne faut pas que le foil reste planté. Voilà. Et là, c'est parti. Voilà ce moment magique où je suis en train de voler au-dessus de l'eau. C'est une sensation de rêve. La houle est simple. Il faut anticiper sur les ondulations et on ne peut pas se permettre de rester statique. Le foil ne va pas traverser la vague. C'est génial, j'ai un copain en face de moi là qui fait du foil, pareil. Donc le gros avantage du foil, c'est de pouvoir justement naviguer au-dessus de la houle, au-dessus du clapot, au-dessus de tout ce qui fait des tapements, qui fait du bruit, qui fait des vibrations sur la planche. Donc là, pas un bruit, vous pouvez entendre à peine le bruit du vent. Alors, je ne voulais pas tomber dans l'eau, c'est pour ça que je suis absolument pas tombé dans l'eau. J'ai pris une boîte de rêve. Alors, la grosse différence par rapport au kite, c'est que justement, on peut commencer à naviguer avec nettement moins de vent. À partir de 8 nœuds, par exemple, on peut commencer à naviguer. Alors qu'en kite, c'est normal. Enfin, là, il n'y a pas beaucoup de vent, hein, donc c'est pour ça que j'ai posé. En kite normal, il faut au moins 12 nœuds, à peu près 12-14 nœuds pour que ça soit agréable. Alors qu'en foil, justement, tout est. Dans la mesure où il y a moins de frottement, on a besoin de beaucoup moins d'énergie. Et ce qui est génial aussi, c'est de pouvoir aller très lentement, quoi. De pouvoir juste glisser au-dessus de l'eau, comme un peu sur un tapis volant, quoi. Et ça, c'est quand même un grand moment. C'est la fin de ce numéro d'Ola Tua. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois, début novembre. D'ici là, portez-vous bien et surfez bien.